Alors nous sommes toujours avec Paul aux Éphésiens, où l'apôtre Paul commence son épître en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Paul écrit aux saints qui sont à Éphèse, et le « qui sont à Éphèse » est dans certains manuscrits et absent dans d'autres manuscrits, et on pourrait très bien dire qu'ils sont à Drummondville ou qu'ils sont dans telle ou telle ville. Eh bien, Paul nous écrit et il dit « Voilà, j'écris à vous qui êtes saints ». Je sais que aujourd'hui, ce n'est pas très populaire de se faire appeler saint. Hein, habituellement, les saints, ce sont ceux qui sont dans le calendrier ou ceux d'autrefois, du Moyen-Âge ou de je ne sais quand encore. Mais Paul, lui, écrit à des gens qui sont vivants. Ce n'est pas des gens qui sont morts, c'est des gens qui sont vivants et qui habitent la ville d'Éphèse. Et il les appelle des saints, des gens qui sont saints. Et c'est important aujourd'hui, on parlait d'identité ces derniers jours, c'est important aujourd'hui d'avoir cette assurance, cette conviction et cette prise de conscience que nous sommes nous aussi saints. Vous êtes saints si vous croyez en Jésus-Christ, si le sang de Jésus vous a lavé de tout péché, vous êtes saints. Saints, sanctifiés, mis à part et pour appeler pour une mission. Et donc, saint ne veut pas dire parfait ici, mais veut dire simplement que quand Jésus nous lave, eh bien, c'est propre. Et ce n'est pas lavé à moitié, nous sommes vraiment sanctifiés, mis à part, nous sommes saints. Alors, Paul écrit pas n'importe qui, il écrit à des gens qui sont saints. Et vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes aussi des gens qui êtes saints. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il écrit aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que d'une certaine manière, il y a la première catégorie, ceux qui sont saints, et puis il écrit aussi à ceux qui sont fidèles, mais plutôt, et la phrase en grec nous permet de mieux comprendre ces choses-là, c'est plutôt à vous qui êtes saints et qui êtes fidèles. C'est la même catégorie de personnes ici, il n'y a pas les saints d'un côté et les fidèles de l'autre. Les fidèles, c'est quoi? Les fidèles, ici, le mot grec utilisé, c'est le mot foi. Et d'ailleurs, dans le mot fidèle, on retrouve foi. Un fidèle, c'est quelqu'un qui a foi. C'est quelqu'un qui met sa foi. Donc, ceux qui sont saints, qui ont été sanctifiés, lavés, mis à part par Jésus, et ceux qui sont fidèles, c'est-à-dire qui ont mis leur foi dans le nom de Jésus. On va voir ça, toute son importance par la suite, parce qu'on va aborder des points un petit peu compliqués dans quelques jours. Mais ici, Paul écrit à des gens qui sont saints et des gens qui sont fidèles. Alors c'est ce que je vous souhaite et ce que je souhaite que vous soyez les mêmes lecteurs que les Éphésiens alors que nous allons lire cette épître ensemble, que nous soyons des gens qui sommes saints, mis à part, sanctifiés, lavés, purifiés par le sang de Jésus et que nous soyons aussi des gens fidèles qui gardent la foi dans un Sauveur et qui peut dire avec Paul, je sais en qui j'ai cru. Thank you.